Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, yedo. Bonjour, Serge. Bonjour. Bonjour à tous. Interprète à deviner le chanteur qui, comme Carla Bruni, ont chanté le pingouin. Voilà, ah ouais. Il chante le pingouin. Est-ce qu'il y a un sens subliminal là-dessous? On n'en sait rien, mais n'empêche que le pingouin a été beaucoup traité en chanson. C'est pas la première à chanter le pingouin. Absolument pas, non. Faut les retrouver. Oh là 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 là, c'est difficile, hein, je trouve. Bon, il y en a quelques évidents, évidemment, mais. Il y a quatre difficultés. Olivier, on a trouvé un ou deux, hein, je crois, Olivier. Le papa pingouin, il s'appelle pas le papa pingouin? Non, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Bon, là, il y a que Laurent qui connaît la solution. Ah, ouais, la petite fille, là? Je peux vous le dire maintenant, vous ne trouverez pas. C'est beau grand, ça, non? C'est Nestor le pingouin. Et dans tous ces interprètes, il y avait un pingouin, Nestor le pingouin. Vous souvenez de Nestor non, le pingouin? Un vrai pingouin. Nestor le pingouin. Moi, je suis passé dans les cabarets. Ah non, c'est le vieux qui se déguise en pingouin? Non. Mais non, c'était un ventriloque. Un ventriloque. Ah oui, un ventriloque. J'avais vu la télé, lui. Non, non, il y a David Michel. David Michel. David Michel, il avait un chapeau. C'est ça, un chapeau. Une barbe et un chapeau, David Michel. Et il avait son pingouin dans les bras, il était ventriloque, oh là il là faisait là chanter le pingouin. Oh, ouais, vous souvenez pas, il a fait des tubes. Et c'était lui-même qui parlait, tu vois. Des disques d'or. Oui, d'ailleurs, Jacques Martin lui en avait voulu d'avoir repris la pêche au moulin. Oui, il a chanté, la pêche au moulin, il chantait comme ça. Et il y avait aussi, il a les chocottes, les chocottes. Un peu de chocolat, un peu de chocolat. Et toi, ça te faisait rire? C'était mieux non, avant. Mais moi, je passais derrière. Alors, c'est dur de passer derrière. Non, c'est cool. C'est cool de passer derrière. Non je passais derrière le pingouin, moi. Le pingouin. Vous passez derrière que devant, le ventriloque. C'était, hein. C'était au Don Camillo. Il y avait maintenant Nestor le pingouin et après Laurent. Bravo pour tous ces pingouins, en tout cas, Serge. On se retrouve après les infos de 17h.